Bonjour à toutes et à tous, ici SpyRH pour vous faire la suite de notre let's play découverte d'Astrobot sur PS5. La dernière fois on a fini la deuxième nébuleuse en battant le boss Poulpe de la nébuleuse, qui était très simple, et en débloquant le niveau de licence de ce monde, à savoir le niveau basé sur God of War, et précisément Ragnarok quand même. Et c'était très très cool, très très bon. Et sans plus attendre, on part découvrir la deuxième partie de la base, enfin la deuxième partie secrète. Oula. Ce moment où tu peux crever dans une base. Les pauvres. Avant. Je t'ai vu toi, t'inquiète. C'est vrai que les coquillages, ça dira quelque chose. Je vais d'abord récupérer ça là-haut, comme ça j'aurais pu y retourner. J'ai oublié que ça me TP directement sur la nébuleuse. C'est pas grave. Donc la nébuleuse... Le système du serpent. Ok. Je reviens là parce que je suis loin d'avoir fini ce que je voulais faire à la base, moi. Déjà. Toro Gacha. Sabah avec les yeux éclairs, le marteau légendaire. Logique. L'oiseau en papier, prier pour ne jamais rencontrer son créateur. D'accord. Fasque des Yopnar, une étoile vierge au potentiel gigantesque. Les boules de démolition, les quilles s'inclinent devant sa puissance. Établi légendaire a vu naître d'innombrables chefs-d'œuvre. Club et balle, il faut que ça swing. D'accord. Je pensais qu'elle allait tirer, mais apparemment non. Ah, la rose passion. On va arriver à des kilomètres. Et l'hypervert, l'essence même de la fluorescence. Tu m'étonnes.
Bien fait. Est-ce que c'est fait exprès ou... Non, c'est juste moi qui sais pas viser. Voilà. Est-ce qu'il faut que je fasse un strike pour dévorer quelque chose? Oui. Ok, ça c'est bon. Ok, je les ai pas déverrouillés. Ah, sympa la ref. Et un joueur à Ragnarok, j'ai la ref. J'adore. Ok. Bon, je crois qu'on a vu tout ce qu'on avait pour l'instant. On va retenir la première zone qu'on a déverrouillée pour récupérer. Ça avait un truc, mais non. Récupérer la pièce à 100 volts. Comme ça, on aura fini cette zone. On retourne récupérer après ce qu'on peut récupérer dans la troisième zone. Et on pourra continuer d'avancer. Et dernier, faut venir. Je sais que ça, ce que c'est, ça. Oh yes! Est-ce que ça veut dire que je peux utiliser les costumes des VIP bots que je déverrouille? Oh! Cool! Dommage qu'il n'y ait pas la même dans l'autre sens, mais bon. Ah, du coup, j'ai trouvé des keys. Un en papier qui doit traîner quelque part. Faut que l'on cherche. Freya qui a ramené sa tortue. Pas dans toute Freya. Ça aurait été beau, mais non, elle reste dans le niveau. Mécanique, vous finirez par l'avoir dans la peau.
Hein? Oula, alors ça là par contre je l'ai pas du tout. Là, pareil que tout à l'heure, il faut 100 bottes. Ah, faut que je mette dedans. Oui. Matou curieux et un jeu à chat perché. Oh, c'est Stray! Je m'attendais pas à ce que Stray soit dans le jeu, je vous avoue. Le Shiba influenceur a un caractère de chien. Ah, Lee, oui, c'est j'ai plus le nom du jeu, c'est un jeu qui est sorti il y a l'année dernière, je crois. Un jeu où c'est un chien qui doit faire des chemins en puzzle pour diriger des humains. Et des flots et flots d'humains. J'ai plus le nom du jeu, mais je crois qu'Ato avait fait des vidéos dessus. Du coup, on a fini cette zone-là. On cherche un petit peu. Ah mais tous les bots me suivent, c'est vrai. Prenez vos places. Je peux chercher longtemps, ils sont tous en train de me suivre. Oui, on l'avait vu. On trouve le moustique, on va qu'on trouve Stray. Ah, d'accord. Ah, c'est une leçon quand il a peur, quand les ennemis sont près de lui. Alors, par contre, dans tout ça, pour réussir à trouver une moustique, bonjour, bonsoir. Et j'ai pas vu la cocotte en papier d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Alors, viens voir ça. Ah, je peux pas mettre tous les persos. Certains persos sont utilisables. Pour l'instant, je faisais rachat ou parapa. Oh, le costume parapa, ouais, il va peut-être mieux que Ratchet. Pour l'instant, on va rester le Astro classique. Même si jouer Ratchet, ce serait cool, mais on va rester Astro classique. Bon, allez. En plus, j'ai un truc à vous montrer. Alors, comme promis, j'ai cherché les niveaux secrets. Et donc, je suis tombé sur ça. En fait, ici, il y a un amas de confettis. Il faut dasher dedans avec le turbo à fond. Pour le triangle perdu.
Oui, et... D'accord, ça devait haut les niveaux. Et donc ce sont pas les mêmes. Parce que ça se voit que c'est des niveaux. Mais ça c'est autre chose. Si sauteux. Le tatou casse tout. Esprit fragile. Et la trouille des citrouilles. Bon, on va voir, hein. Ah oui, on est plus sur du niveau défi que du vrai niveau en fait. J'ai pas vu les pics. Tellement focus sur le slime, j'ai pas vu les pics. Et en plus, y a pas de checkpoint. Ça va être tendu ces trucs là. Passionné de moto, pour elle la série est une sorte de famille. Days Gone? On verra, ce que j'ai remarqué que les persos de licence sont mis ensemble sur la base, donc on pourra trouver. Oh, j'ai aperçu qui c'était. Ça fera plaisir à certains sur la chaîne. Vu pour la pièce, la survie. C'est plus important. Ah. Alors, toutes les pièces et tout comme ça, j'ai peut-être pas les récupérer. Merde. Survivre au niveau, c'est peut-être plus important. Ouais, c'est... Tant que je ne fais pas de double saut dessus, ça tient. Alors, ça dépend quoi. Oh, ça passe. Allez, les mini-bombes à la fin, c'est compliqué. Je vais essayer d'arriver jusqu'au bout sans les tuer, mais enfin, je peux quand même les buter. Ou les esquiver.
pas de faire le double saut, c'est tellement un réflexe qu'on a. Mais pas sur ce niveau, il faudrait pas que je l'aie. J'ai paniqué. Bon, on saura que les niveaux verts, ce sont des niveaux défis qui vont être extrêmement compliqués. Ça va être ultra compliqué de s'en débarrasser alors qu'on est sur du vert. Allez. Elle a ses mérités. L'Android Protecteur a une forte personnalité. Aegis ou Aegis de Persona 3. Allez, on va essayer de finir les deux derniers. Ah bah! Ok, bon. Lui, j'ai reconnu aussi. Ah, faut que j'envoie le tatou. Pourquoi je tombe toujours dans les tout petits trous? Je peux quand même faire ça. Ouh. À cet endroit-là, c'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire, mais on peut le faire. Ah,
dégage. Oh, ça passe. Oh, c'est pas fini. Yes. Donc après Persona 3, Persona 4, l'ombre adorable, souvent dans le brouillard, la mascotte de Persona 4, et je crois qu'il s'appelle Teddy. Il est sourire de ce qu'on m'a dit en stream, c'est bon. J'aime pas le nom. Maintenant que je sais que ce sont des niveaux défis, j'aime pas le nom. Yes, ça passe. Nouvelle recrue pour un premier jour difficile de faire pire. Ah, c'est Léon. Ah, c'est Resident Evil, c'est sûr, et je crois que c'est Léon, lui. Parce qu'entre tous les persos de Resident Evil, j'ai de grosses lacunes. Et bien avec tout ça, on a fini le deuxième monde. Et la complétion des mondes va pas aller en s'arrangeant du coup. On va pas aller voir la troisième nébuleuse tout de suite, parce qu'en plus vu le temps d'épisode, on va s'arrêter ici. Brassard extrascolaire, réserve aux activités extrascolaires très très spéciales. Drone ami aide son ami félin à trouver son chemin. Oh, le petit robot de Stray. Youpi. Yay. Il est trop mignon en plus. Enfin, le jeu est mignon, même si parfois un peu glauque sur certains aspects. Mais le perso est mignon. Ah oui, l'animation change avec le robot. Ok. Ok. Ah, c'est le moustique. Je m'expliquais le rapport là, par contre. Ah, c'est sa théurgie. Donc l'animation est basée sur Reload. Ah, super. Cool, en vrai, cool. Alors, le perso que j'ai pris pour Days Gone, c'est pas de Days Gone, du coup. Ah non, du coup, c'est... C'est Jill ? Ça va être Jill du coup de Resident Evil. Ok, my bad. Bon, et bah ce fut un bon épisode. On a fini complètement la base de ce qu'on a pu faire pour l'instant. Et la deuxième nébuleuse. Et on a déverrouillé la garde-robe. Donc il va rester à déverrouiller le parc safari. J'ai aucune idée encore une fois de ce que ça va être. Et il y a un truc tout au fond là-bas qu'il faut qu'on déverrouille aussi plus tard. Bon, et bah on va s'arrêter ici.
pas le caresser. Non. Bon, on va s'arrêter comme ça avec notre copain. Donc merci d'avoir suivi cet épisode. Le petit like, commentaire et partage qui fait plaisir. Vous connaissez la chanson. Tous les liens sont en description. Et je dis à toi pour la suite d'Astrobot. Salut.